Salut à tous pour les passionnés de Subaru, bien sûr. Alors là, ce n'est pas une STI, on m'a passé une Impreza G4. C'est une version que nous n'avons pas en Europe. C'est l'Impreza avec un coffre allongé. Je la montre à l'extérieur. Alors je vais vous montrer, vous présenter un peu l'équipement. Elles sont très bien équipées pour le prix. C'est donné par rapport au prix qu'on paye en Europe, les voitures de toutes marques confondues. Alors ici nous avons la poste de conduite, nous avons la boîte kinélectronique, nous avons tout le système de GPS, de radio, de Bluetooth, tout ce qui s'ensuit. Nous avons le système ActSight, c'est-à-dire elle a le freinage automatique en cas d'arrêt d'urgence ou brutal ou si vous oubliez. Elle corrige la trajectoire si vous mordez sur les lignes. Tout est réglable, le système est réglable ici. On peut même du coup avoir après ici donc du coup les infos du véhicule etc. Donc là on voit l'ensemble du véhicule. Là c'est la transmission. Nous avons même la température du moteur et ainsi que celle de l'électrofrottement, ça bien sûr c'est normal. Ce qui est fantastique, c'est ce système, voilà, on conduit à droite, donc pour savoir si je suis dans une rue, dans une ruelle piéton ou quand je fais un créneau pour voir le côté gauche, puisque je conduis à droite, j'ai la caméra intégrée au rétroviseur, tout ça est inclus dans le système ActSight de chez Subaru. Nous avons ici le mode intelligent ou sport. C'est un modèle 2 litres. C'est un modèle 2 litres atmosphérique développant 150 chevaux. C'est très largement suffisant pour Tokyo. La boîte linéatronique est très souple. L'espace intérieur est assez grand. Le coffre. Voilà. Je vous ferai part d'un essai routier plus tard. Alors 180 km/h, pourquoi? Oui. Toutes les voitures de série au Japon sont bridées à 180 km/h. Donc, à part certaines les voitures de sport où elles sont bridées, mais la plupart font sauter la bride. Donc, voilà. Les voitures de sport, je vous rassure, elles sont pas écrites à 200, à 180 km/h. Les STI sont graduées jusqu'à 260 km/h. Il peut y avoir des anciennes STI qui sont gradués à 180 km/h, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les dépasser. Il suffit d'enlever la bride au niveau de l'ECU et c'est ce qu'ils font tous ici au Japon.